Et bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une crème pâtissière. Alors la crème pâtissière c'est une recette de base vraiment de beaucoup de pâtisseries. C'est facile à faire, c'est pas cher et c'est fait avec des produits que vous pouvez trouver partout. Ok? Vous vous êtes lavé les mains? Vous vous êtes abonné? Et bien on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti! Et la liste des ingrédients, bien sûr, en description, en bas de la page. Alors, on va commencer par faire bouillir le lait et la crème. Alors, la crème pâtissière, c'est vraiment la base de la pâtisserie. Je pense que c'est une des premières recettes que j'ai appris à faire à l'école. Voilà, et elle sert à faire beaucoup de choses derrière. On peut la décliner plusieurs façons. Donc là, je vais blanchir mes jaunes et mon sucre. Alors, on peut y mettre de la vanille, bien sûr, dedans, mais là, je vais à l'essentiel. Je fais une recette facile, pas chère. Voilà. Oui, parce que les gousses de vanille, ça coûte cher. Alors, je mélange la farine dans mes jaunes et mon sucre. Alors, un petit conseil, ne laissez jamais les jaunes et le sucre au contact sans les remuer, hein, parce que ça cuit les jaunes. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Et là, je vais mettre la moitié de mon lait et de ma crème. Je vais le mélanger à mes jaunes, mon sucre et la farine. Et je réincorpore le reste dans la moitié du lait et de la crème. C'est juste pour que ça cuise beaucoup plus vite. Voilà, vous allez voir, ça va très vite derrière. C'est la même méthode que la crème anglaise. Et là, je fouette, je fouette, je fouette, en faisant bien attention d'aller dans tous les recoins pour éviter que ça accroche. Allez, dès que ça commence à buller, votre crème pâtissière est cuite. Et c'est terminé, on débarrasse. Vous savez maintenant faire une crème pâtissière. Crème pâtissière qui sert de base au flan pâtissier. Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Cette crème pâtissière, vous pouvez l'aromatiser. Café, vanille, chocolat, c'est comme vous le souhaitez. Vous avez vu, c'est facile. Si vous rencontrez des difficultés, faites vos commentaires et je viendrai vous filer un petit coup de main. On ne sait jamais, ok? Si vous cherchez des ustensiles et du bon matériel, allez sur mon site. C'est le même que j'utilise pour faire toutes ces recettes, d'accord? Et là, vous ne pourrez que bien cuisiner, ok? Et en plus de ça, le programme Mentor, plein de bons conseils pour cuisiner dans de bonnes conditions et prendre du plaisir à faire à manger. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh ben, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben, c'est juste là.